Je vais actuellement beaucoup mieux. Dans sa dernière story Instagram, le moins que l'on puisse dire est que Travis Barker a rassuré ses fans. Pour rappel, le conjoint de Kourtney Kardashian a été hospitalisé en début de semaine pour une pancréatite potentiellement mortelle, selon les premiers examens médicaux. Mais le batteur du groupe Blink-182 a mis en lumière son véritable état de santé devant ses plus de 7,5 millions d'abonnés. Je suis allé faire une endoscopie ce lundi en me sentant bien, a-t-il commencé par développer. Avant de continuer, mais après le dîner, j'ai développé une douleur atroce et je suis hospitalisé depuis. Au cours de l'endoscopie, on m'a retiré un très petit polype en plein dans une zone très sensible qui a malheureusement endommagé un tube de drainage dans mon pancréas. Il en est résulté une pancréatite grave mettant ma vie en danger. Depuis son hospitalisation, les proches du couple Barker-Kardashian se sont montrés très présents. Travis Barker, je vais beaucoup mieux. La sœur de Kim Kardashian a d'ailleurs partagé sa reconnaissance. Nous sommes tellement touchés et reconnaissants envers nos amis et nos familles. Mais aussi envers le corps médical, qui, avec un traitement intensif, permet à Travis de se sentir beaucoup mieux. La fondatrice de Push a ajouté être si reconnaissante envers Dieu pour avoir guéri son mari, ainsi qu'envers les prières de leurs fans et des spécialistes, médecins et infirmières du Cedar Sinai Medical Center de Los Angeles pour avoir pris si merveilleusement soin d'eux. Une mauvaise passe qui est désormais derrière le couple américain.